Ike. Mais non, mais c'est attends, pas c'est possible. 2-1 pour toi. Ah oui, ok. Double ah oui, il a gagné. Qu'est-ce que... Incroyable. Et bah c'est parti. Donc là par contre ça va se taper par rapport à l'autre match. Là ça rigole pas du tout parce que Ike, bon, il a pas une mobilité de fou, donc il faut qu'il tape un peu comme il peut. Et Roy il fait que le foncer dessus. Ouais, récemment Maggie a beaucoup progressé, je trouve. Souvent elle était voilà un peu. C'était une 2-2 on va dire, mais depuis genre je sais pas un ou deux mois. Il y a une vraie évolution, ça commence à faire des très bons résultats un peu partout en Bretagne. Oula, bon voilà, ça, par contre ça fait 2B au pif. Je sais pas si c'était un missile pif. Mais ouais, en tout cas le leader a un peu augmenté. Oula là là là, bah c'est déjà une petite stock prise par Bobby. Ouais, bon ouais, ok. Ça a pris le 5B. Ah, tentative de take chase complètement foiré, mais bon ouais, ça aurait pu tuer. C'était à tester en vrai. Ah, le B classico. Ok, ça attend la take chase. Ouais non, ça va pas passer. Bonne patience de Maggie. Ok, le clair. Pour l'instant c'est compliqué hein. Oh là là, ça tue à 80. Aïe aïe aïe! Non, mais je regarde le cast. Enfin, je regarde les gants. Genre ça. Hop! Et on peut pas mettre juste un parce qu'on s'en fout qu'il y ait deux. Le caster, cast Rigi, le cast Xio. Le cast aucun sens, y a aucun des casters qui cast. C'est dire à quel point c'est grave. Mais oui, ils sont où les casters? Mais y'a pas de casters. Ah ok. Oh ouais. Ah ouais. Ah ouais, attends, on commence le match. Mec, 3-0, c'est très grave. 3 stops. C'est game 1. Game 1, 3 stops. Ah ouais, 3 stops. Alors, c'est le pire match-up de Ike. Selon de sources sûres, à savoir Nico, qui est anciennement le meilleur joueur de Ike de France. Donc, putain, dinguerie. C'est. Dropif qui drop. De fou. Qui drop. Non, mais oui. Pas une stock. Et puis en plus, c'était des kills à 80. C'était vraiment des. Bah des ouais, c'est ça. C'est en fait, faut saisir les kills. Mais j'ai un peu de mal à voir vraiment dans quelle situation. Bah, je pense que c'est vraiment du. Peut-être du. Bah, même pas le R2R parce que finalement, là, juste Ike qui va outrange Roy. Mais peut-être un peu du. Ouais, juste du set play. Ça va être très relou pour Roy. Mais je vois vraiment comment Ike peut se débrouiller. Je connais pas trop. Bah, Ike à la range quoi. Ouais, Ike à la range et Ike a pas la full data, mais il a un peu d'armor, il a un peu de trucs comme ça. Il a tout pour. Après faut voir, parce que Maggie c'est quand même quelqu'un qui s'adapte globalement bien. Oui, oui, c'est bien amélioré, c'est ce que je disais un peu au cast tout à l'heure. Oui, franchement en ce moment elle est vraiment sur la montée, il y a vraiment des choses à faire derrière. Et là bah, déjà rien que là, hein. Genre par exemple on est déjà à 70%, on a vraiment bien trouvé. Déjà il y a un changement complet de momentum par rapport à la game d'ailleurs. Elle aime beaucoup jouer j'ai l'impression sur Kalos. Après ça... Bien. Oh ouais. Ouh ça tue, pas. Oh, le counter de malade. Ouh ça tue. Oh. Ah oui, non, je suis en retard. Je suis en retard, merde. Putain, désolé. Je regarde le stream. Désolé, attends, je coupe le stream. Quel con, excusez-moi. C'est la pire régie du monde. Je suis en commentaire. Le caster qui s'écoute. Attends, c'est bon. Ah, il a raison, le mec qui parle. Ah bah, c'est moi. Le boulet. C'est ce niveau de. Oh putain, bon, c'est très fort là. Oh oui, c'est mort. C'est mort ? Non, oh, très bonne utilisation de la plateforme. On a réussi à sauver grâce à ça. Mais encore une fois, Dieu bénisse la plateforme. Ouais. Mais là c'est clair parce que c'est franchement Maggie. Et surtout, il nous surprend bien vraiment. Même si actuellement. C'est le reverse 3 stocks par contre. Reverse 3 stocks, on en parle. Il y avait 3 stocks de l'un, bah, ça part 3 stocks de l'autre côté. C'est vrai que c'est un match-up un peu unilatéral. Mais soit t'as gagné et t'as full. Bah ça se tape beaucoup et si t'as les bonnes rides et tout c'est gagné. Ok, pas mal. C'est un peu ça. Ouais franchement ça se voit que c'est vraiment Maggie qui juste est beaucoup plus précautionneuse en termes d'avantages. Elle est juste, elle sait quand il faut taper et tout le monde bah, juste suit bien un peu les hitbox et là voilà, ouais, on prend des avantages. Ouh attention, on a eu que les hitbox montés donc on a pas réussi à toucher le L'adaptation en tout cas de Maggie sur cette game c'est vraiment incroyable. C'est un petit Atlas Neurel qui sont juste pas en train de jouer, ils sont juste en train de regarder le stream parce que c'est beaucoup plus intéressant le match à voir que le match qu'ils vont jouer. Le son du jeu est un peu fort, je vais baisser. Pour l'instant on a qui a du mal à tuer, franchement c'est 50%, ça surprend d'avoir autant de mal à tuer, de devoir tuer sur une petite sur Kalos, c'est un peu dommage. Mais franchement il y a des choses
Est-ce que c'est mieux là? À voir un peu ce que ça va donner le reste du match. S'il y a peut-être moyen de reverse, hein. C'est vrai que tout à l'heure on a réussi à 3 stocks, donc il y a peut-être moyen de faire des petites singeries. Ok, bon. Ouais, ça commence à reverse là. Hein. Ouh, attention. Là, crois-moi, la dash attack aurait pu tuer. Hein. Ouais. C'est, non, mais le reverse là, et en vrai, le ledge trap de Droopyff, il y a des trucs. Hein. Bah, ça se sent que là, c'est l'adaptation sur l'adaptation, et c'est vraiment là où Droopyff arrive à faire des choses. On a un très bon back air qui va pas toucher plus que ça. Side B, ça tue très bien. Très bon B reverse, side B reverse qui du coup permet tout de suite de récupérer le momentum. 1-1. Menu dans mon profil. Quoi? Le volume global du stream est faible, mais ça c'est trop bizarre. Le volume global du stream est global, genre ils disent que tout est un peu faible, alors que je suis au max de Schumax. Ah oui, c'est chiant. J'y comprends rien. Et tu mets ça où? Audio. Incroyable. A votre avis, ça va partir sur quoi? Parce que là, genre déjà, j'ai l'impression que le choix du terrain, c'est très... ça change tout. Le fait d'avoir des plateformes, bah, c'est tellement beaucoup plus profitable pour Ike, j'ai l'impression, dans juste ces ladders. C'est qu'on a eu pas de ladder, parce que pas de plateforme en fait. Et même si on avait genre, des petites plateformes sur Kalos, c'est juste ça a aidé en désavantage, ça n'a pas aidé en avantage du tout. Et là justement on part sur Holo Bastion. Donc en vrai il y a peut-être moyen de profiter beaucoup plus de ça, sachant que c'est aussi, je pense, les plateformes peuvent profiter aussi à Roy pour Maggie. Mais à voir si ça profite autant, parce que franchement j'ai un petit doute dessus. Donc c'est bien, on voit quand même Maggie qui a quand même plutôt tendance à juste faire, voilà, juste attaque aérienne, parce que c'est ça qui, c'est comme ça qu'on va vraiment trouver la chose à faire. Il faut aussi une ouverture. Et là justement où on a un Droopyff qui a profité d'être un peu plus préemptif, c'est-à-dire qu'il va beaucoup plus faire des attaques dans le vide, un peu wall globalement, et trouver ses combos starter et profiter en plus de la plateforme centrale qui va vraiment bien marcher dans les combos. Ok, pas mal. Ah ouais, juste une lénière et tout qui va bien tuer à quelque chose comme 100%. Franchement, c'est tellement dévastateur comme promo. C'est. Et en fait, c'est, j'ai l'impression que c'est surtout ça met Droopyff en confiance. Là où justement Maggie, juste jouait. Oh, le Karjak. Le Becky Spike, bah ouais. Oh, c'est vraiment dommage de. Ouais, mais en vrai, c'est. C'est de la outplay hein, globalement, c'est, t'arrives à mettre l'adversaire au stage, juste, tu sais que tu peux te laisser, t'es juste à 80 mais t'as une stock d'avance, bah hop, tu grattes. C'est ce qui fait qu'on trouve déjà Maggie sur sa dernière stock de winner potentiel. C'est ça qui est assez dommage d'avoir eu un match aussi expéditif, bah, très unilatéral comme on l'a dit tout à l'heure. Franchement ça va vite et il n'y a pas tant que ça moyen de faire des choses. Oh, un très bon grab, les d'autres sont repères plutôt, ok. Ah oui, ouais, là franchement le frame trap est vraiment assez excellent. On va pas avoir plus tentative de garde, mais c'est pas grave. Bon side B qui va réussir à envoyer plutôt loin, on va pas réussir à trouver un petit contre dessus, assez dommage. Le problème c'est que là on a vraiment Maggie qui est un peu constamment en je veux trouver quelque chose. Sauf que là le landing nair into upper, ça fait très 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 mal. Victoire 2-1 de la part de Droopyff sur un set qui était franchement assez... On aurait